Bonjour à tous, c'est Nico Guest du 13 et aujourd'hui je suis sur FIFA 21 pour continuer avec vous le mode Volta. Et à mon avis, aujourd'hui c'est sûrement le dernier épisode car on part à Dubaï pour le tournoi Street et Icon. C'est parti! Kaka m'a mise en relation avec les gens de Dubaï. Ils vous ont regardé. Maintenant, ils vous veulent. Vous êtes officiellement invité. Tout frais payé, bien sûr. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est décider la composition de l'équipe. Je vous verrai sur place. J'ai hâte. C'est quoi ce truc de ouf? Wow, on va jouer au foot sur Mars. Un match est un match. Hé, hey, je t'ai vu dans les vidéos. Tu déchires. Merci, mec. Hé, hey, content de vous voir. Vous croyez qu'on a notre place ici? Ouais, ça, j'en sais rien. Hé, hey, on les a tous déjà affrontés. Ça va le faire. Je dis juste, ce tournoi, c'est un niveau au-dessus. Ouais, on est prêt. Béa! Oh, vous êtes là! Tout le monde est venu! Salut! Bonjour, monsieur Henri, voici mon équipe. Ton équipe? Notre équipe? Quoi? Streets and Icons. Ici, chaque équipe est coachée par une légende. Regardez autour de vous. Et vous, votre manager, c'est monsieur Henri. Mais vous pouvez m'appeler patron. Quoi? Ouais, patron. Trop dommage que vous ayez raccroché. Il a encore le niveau, crois-moi. Il est de ouf, les gars. Notre coach, c'est Thierry Henry. Maintenant, j'espère, c'est qu'il va peut-être jouer avec nous. En tout cas, on a vu qu'il y avait Lampard, Zidane. Ça risque d'être un tournoi. Mais trop stylé, les gars. Tout simplement, déjà, rien que la cinématique, elle est kiffante. Il va bien falloir profiter parce que c'est sûrement les 4 derniers matchs de ce mode Volta. Allez, c'est parti. Donc on sait que sur ce tournoi risque d'être compliqué, on a juste à faire notre jeu de d'habitude, rester concentré, et ça devrait le faire. Et on affronte direct l'équipe de Ed Van Gaal. On l'a déjà battu une fois, donc je pense qu'on peut le faire une deuxième fois. Allez, c'est Luc à l'engagement, c'est parti. Donc la dernière fois ça se jouait en 5 buts, là je pense qu'on va jouer sur demi-temps de 3 minutes, donc il va falloir rester concentré jusqu'à la fin. Ouh! Oh, c'est notre gardien qui l'a arrêté? Eh non, frère! Bon, ça commence très difficilement pour nous. On est mené au score. Va falloir qu'on se reprenne. Et qu'on égalise très vite. Eh, la faute, bien sûr. On peut pas changer de caméra, là? Voilà, bien. Allez, c'est pas terminé, dommage. Par contre, là, ça repart très vite de l'autre côté. Ils sont 3v1. Belle défense. Allez, c'est reparti. Elle est toute seule en bas. La frappe lourde. Belle parade du gardien. Attention, c'est pas fini. Oh, il est en forme, leur gardien. Il est en forme. Allez, chacun son joueur. Et ça devrait pas passer normalement. On devrait pas se faire déborder. Normalement, notre équipe est plus forte que la sienne. On a la touche? Non. Yes, yes.
Ça passera pas. Allez, il est tout seul en haut. Allez, il faut faire vivre le ballon. Et leur gardien est tarpin chaud, les gars. Enfin, elle est chaude du coup, mais... Allez, bien, on défend bien. Allez, on a pris un but, ça suffit. Oh, frère, on n'a pas de chance non plus. De long, on tape les poteaux. Allez, cette fois-ci, ça fait but. Et voilà, l'égalisation, les gars. Allez, ça commence bien cette compétition. En tout cas, ce match, il est kiffant, il est plus animé que d'habitude. Et ça, j'aime bien. Allez, maintenant, il va falloir bien défendre. Histoire que qu'ils ne repassent pas en tête. On a vu qu'ils en sont capables. Oui, et 2-1 pour notre équipe. Après une magnifique construction en triangle parfait. Je sais pas si vous avez vu le style de la meuf là. Frère, elle décape tout. Elle est en petit top, jupe de tennis et claquettes. J'aurais pu mettre claquettes chaussettes en vrai, mais j'ai mis que claquettes. Ouh, attention. Attention à pas perdre le ballon avec le gardien. Voilà, bien joué. Il y a moyen qu'on écarte en bas. On rejoue en haut. Et le but! Et ça fait 3-1 pour la N13, les gars. Et ça fait Zumba, café au carnaval. Et on est dans la place, les gars. Ah, ce match, il est kiffant. Vraiment, là, il y a du niveau. On construit bien, on est posé. Et ça fait 4-1. On n'est pas là pour rigoler. On s'est déplacé jusqu'à Dubaï. C'est pour gagner. En plus, on doit faire honneur à Thierry Henry qui est notre manager. Et pour le moment, c'est réussi. On a mal commencé le match. On a encaissé le premier but. Mais ça y est, là, on s'est réveillé et on enchaîne. Mais bon, si nous, on peut marquer 4 buts, ils peuvent le faire aussi. Ils ont montré qu'ils sont dangereux face aux cages. Donc, il va falloir rester solide défensivement. En fait, le truc, moi, c'est que je lance la vidéo, mais je me chauffe pas avant. J'y vais à froid, donc c'est pour ça que défensivement, sur le premier but, j'étais à la ramasse. Ah, dommage, c'est trop long. Allez, 3 secondes. En tout cas, le stade de Dubaï, il est vraiment sympa. Hein. Et voilà, c'est la mi-temps et on mène au score. 4-1, il va falloir continuer comme ça en deuxième. Donc, on a l'engagement, c'est déjà cool. Comme ça, on a la possession. Stylé, frère. Et oh. Et voilà la petite célébration à deux qui casse des nuques. Bon, bon, bon. Magnifique. Magnifique, les gars. Attention. Bien, c'est pas sorti. Ok, coup franc. Mais je me suis trompé de bouton, les gars. Je voulais faire une passe lobée et je l'ai fait au ras du sol. Et ça, c'est le stress de la compétition. On sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Et 6-1. 6-1, les gars. Et en plus, elle a le petit chapeau, là. J'avais oublié de préciser tout à l'heure. Elle est... Ouais, on va pas dire qu'elle est swag, mais... c'est un délire, en fait, ce personnage. J'ai fait exprès de la faire comme ça. Non, le centre, il est mauvais. Les centres sont très compliqués à passer, je trouve, dans Volta.
Oh là là, le but en coup du foulard. Il n'y a plus de respect là. Allez, on récupère. Aïe. Perte de balle, dommage. Ils mettent la pression. Bien. Oh les petits sombreros, on se fait plaisir. Oh là là, le coup du scorpion. On est en forme les gars. On envoie tout. What? Éclaté le centre par contre. Là, on est là pour régaler. Hein. Clairement. Par contre, ça risque d'être long cette vidéo. 4 matchs et à chaque fois de 6 minutes, plus cinématique, plus... Ça risque d'être un peu long. Le temps, il avance même pas quand le ballon est dehors en plus. Allez. Et 8-1. Trop facile. Là, j'espère qu'on va pas partir pour une vidéo de 1 heure. Allez, on met la pression. On va essayer le sombrero suivi d'une... Non, vas-y. Non, j'aurais dû faire le sombrero suivi de la frappe. Oh ! La chance. Allez. L'action avant la fin du match. Non ! Bon ben voilà, c'est terminé. On gagne le premier tour par un score de 8-1 face à l'équipe de Ed Van Gyl. Bon, c'est plutôt gavé. Et du coup, l'action de la partie, c'est Uma. J'espère que c'est pas juste le coup du foulard. Ce serait vraiment dommage que ce soit que ça. Parce qu'on a vu des trucs bien stylés dans ce match. Ouais, c'est ça, c'est le coup du foulard. Ah non. Même pas éclaté le but. Bon début. Merci. Alors, tu veux prendre qui? N'importe lequel sauf Ed. On prend pas le capitaine. C'est lui l'équipe. Bon, du coup, dans son équipe, ils sont tous éclatés. Même Ed Van Gyl, il est pas ouf ouf. Du coup, ben, on va prendre personne. Allez, c'est parti pour le deuxième match du tournoi de Dubaï. Et cette fois-ci, on va affronter l'équipe de Lisa, la française. Et c'est nous, on a l'engagement. C'est parti. Allez, il faut directement montrer qui c'est le patron. On va essayer de marquer très rapidement dans ce match. Ouh, le poteau, dommage. Et là voilà l'ouverture du score, les gars. Et c'est signé... Ben moi. Eh, la petite célébration qu'on kiffe. Hein. Allez, cette fois-ci, on prend pas de but. Tout à l'heure, c'était juste une petite erreur. On n'était pas chaud. Là, on est bouillant, les gars. On est bouillant. Ou attention. Ouh, l'envol de la gardienne. Oh bien. Allez, la meuf en claquette. Et ça fait 2-0. Bien. Oh, j'ai tenté. Le petit pont a failli passer. Oui. Non. Oh, le contrôle.
Non, dommage. Il va falloir que je me reconcentre parce que là... je voulais pas vraiment les enchaîner. Hein. Je voulais jouer tranquille un peu contre eux. Mais je pense que... qu'on va leur mettre à la misère tout simplement. Non, mais je fourmais ce gag, moi. Eh, franchement, j'ai dit que j'allais encore les bouffer, mais tout à l'heure, c'est pas ce que je montre. Oh là là. Le petit crochet. Et voilà. La frappe lourde. Si on joue comme ça, c'est beaucoup trop facile. Eh, vous kiffez, les gars, le petit survêt de Liverpool. Je le trouve magnifique. Si je le trouve en vrai, je serais capable de l'acheter. Parce que, franchement, là, il est trop beau, ce survêt. Oh bien. Allez, lâche rien. 4-0. Beaucoup trop facile. Par contre, c'est vraiment chiant que ce soit demi-temps de 3 minutes parce que du coup, ça rend le match tarpin long. Avec les arrêts de jeu à chaque fois que le ballon sort, à chaque but. Du coup, le match, au lieu de faire 6 minutes, en réalité, il en fait 10. Oh, qu'est-ce qu'il a tenté là? Il a pété une jurite. Allez, la retourner. Ok, mon joueur l'a touché. Il l'aurait pas touché, c'était exactement la même en fait. Et voilà, petit but en retourné. Bon, attention. Bien. La force de la claquette, mon gars. Et en fait, je peux marquer de tous les angles. C'est beaucoup trop facile. En fait, les frappes lourdes dans Volta, ben, ça rentre à chaque fois. Je trouve que... ouais, quoique... après, je sais pas. Dans Volta, FIFA 20, les gardiens étaient beaucoup trop forts. Et là, par contre, ils sont beaucoup trop éclatés. La reprise, c'est pas fini. Ah, ok, la retournée tout éclatée. Ça passera pas. Et une seconde, et voilà, c'est bon. C'est la mi-temps, 6-0. Ah, je trouve que là, j'ai moins bien joué qu'au match précédent, mais pourtant, on leur roule dessus. Et je crois que la gardienne de Lisa, c'est exactement la même que j'ai moi. Et même les frappes lointaines, ça passe. Et à la limite, j'ai envie de faire une coupure là. Et on se retrouve directement à la fin du match. Mais bon, il y en a, je sais, ils aiment bien voir les matchs en entier. Ah ben voilà. Allez, on prend un but. Il se réveille enfin, peut-être. Non! Et là, je suis même pas pressé, frère. Je me balade. Je pense que Chichi doit être content, là. Clairement. Bon, du coup, l'équipe de Ed Van Gaal, son entraîneur, c'était Zidane. Merde! Oh là 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 là. J'ai fait n'importe quoi. Je me suis déconcentré 2 secondes et je suis parti en cacahuète. En tout cas, j'espère que on pourra les recruter. Au moins Lisa, j'aurais aimé la voir dans mon équipe. Vu que c'est une française et tout. Oh, dommage. Ah tiens, il va se manger un sombrero. Oh. Allez, la pression. On va essayer de les empêcher de se relancer. Voilà. La récupération facile. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce qu'on lui a mis à Lisa? Mais c'est insolent.
qu'est-ce qu'elle s'est mangé, la pro du street. Magnifique sombrero. Bon, bon, bon. Et la reprise. Eh, j'espère que ce sera l'action de la partie. Mais j'ai l'impression que les sombreros, le jeu les détecte pas comme un dribble. Il les trouve pas ça impressionnant, alors que clairement, c'est magnifique. Allez, on les prend juste de vitesse. Et but. Oh, j'ai parlé trop vite. Oh, pop, 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 la force de la claquette. Un phénomène. C'est un phénomène. Enfin, une phénomène. Et tu vois que l'action de la partie, ça va être ça, les gars. C'est sûr. Le truc, c'est qu'en fait, eux, ils sont des joueurs. On a vu qu'ils étaient 80 de général. Et moi, mes joueurs à moi, ils sont 90, 91. Oui, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu as fait, Yaya? Allez, viens, 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 viens chercher le ballon, viens. Oh, oh là là, le grand pont, énervé. Oh, oh non, j'ai abusé, je suis dégoûté. Oh, non, éclaté la frappe. En fait, je voulais juste récupérer le ballon et j'ai tiré. Là, faudrait trop que j'essaie de mettre un petit pont. Ouais, gardien. Boum. Allez, 11-2, les gars. Mais je fais croire. Ouais, voilà, célèbre. On perd trop de temps, là. Ouais, bien. Attention, vas-y, Yaya, récupère. La pression. Oh, la petite louche. On est en place défensivement. C'est pour le gardien. Merde, encore une fois, je me trouve. Et voilà, terminé. Et on passe en demi-finale ou au deuxième ou au troisième tour. 11-2. Et du coup, l'action de la partie, c'est mon joueur. Peut-être le sombrero sur Lisa. En tout cas, c'est pas ça, je comprends pas. Parce qu'il y avait des retournées, il y avait beaucoup de choses violentes. C'est ça, c'est le sombrero. Finalement, il a compté. Magnifique. Et on enchaîne direct avec le troisième match. Par contre, on sait pas que c'était l'entraîneur de l'équipe juste avant. C'est vraiment dommage. Du coup, là, on affronte l'équipe de Easy. Et normalement, on devrait gagner easyment. Donc on a vu qu'il y avait Lampard comme entraîneur. Sauf si c'est l'entraîneur de cette équipe. Et du coup, la dernière légende, on ne sait pas qui c'est. En tout cas, on sait que Lampard est là. On a vu Lampard, Thierry Henry, Zidane, qu'on a battu au début. Oh, belle parade. Ah, dommage, Yaya, tu aurais pu la reprendre. Par contre, le commentateur en arabe, Yalla, Yalla, Dubaï. Un délire, frère, un délire. Oh, deuxième poteau. Ich. Bon, vas-y, là, on mène pas. Il va falloir que je me concentre un peu. Oh, la faute. Il y a eu bousculade, là. Allez, vas-y. La frappasse. Et voilà. Et voilà l'ouverture du score, les gars. Et on mène face à Easy et son équipe. Il la retouche? Non. Ok. Mais qu'est-ce que j'ai fait? D'où je passe complètement à travers, moi aussi. Voilà, bien. Oh, monsieur l'arbitre. Et 2-0 grâce à Claquette. En fait, elle s'appelle Lien, mais j'aime bien l'appeler Claquette. Parce que déjà, je comprends pas le délire d'avoir mis des claquettes pour jouer à Volta. Bon, déjà, le délire, il est poussé, quoi. Je trouve ça rigolo. Mais je vois pas l'intérêt, forcément.
dans l'angle fermé, c'est passé en touchant le poteau en plus. Franchement, abusé. Ah, je vais voir ça au ralenti cette fois, parce que là... Ouais. C'est très probable que ça arrive en vrai. Même niveau mathématique, c'est chelou que ça rentre ça. Parce que vu comment ça a tapé le poteau, sauf si le ballon il s'est déformé sur le poteau, enfin écrasé du coup pour rentrer. Mais ça c'est aussi la gardienne qui la touche, qui l'a mis dans sa cage, mais je sais pas. Merci. 4-0. Il supporte pas la pression. Après, bon, vous savez que la difficulté, elle est en pro, donc on n'était pas là pour tryhard dans Volta. On était là pour s'amuser, découvrir l'histoire. Aïe, ah, yeah. Le petit lob. Ah non. Non, franchement, voilà, on est là pour se détendre. On n'est pas là pour se prendre la tête, comme en mode carrière. La carrière, elle est quand même assez compliquée en légende. Et là, en Volta, je voulais vraiment, tu vois, me relaxer, jouer tranquille, poser. J'ai même pas essayé les difficultés au-dessus, en vrai. Peut-être que ce serait passé, mais non. Comme j'ai dit, voilà, je veux pas me prendre... Oh merde! Il est pas dans mon équipe! Je voulais pas me prendre la tête. Et la reprise! Non. Eh ouais. Mais ça, je trouve mal fait les touches, parce que clairement, il y a personne qui est disponible. Ah! Elle est à nous. Et la frappasse. Et voilà, 5-0 à la mi-temps. Et comme j'avais dit, easy, on le bat easyment. Allez, on va direct partir pour la deuxième mi-temps sans perdre de temps. Let's go! On va essayer le petit pont, je sais pas si tu me rappelles comment faire. Ouais, c'est comme ça. Maintenant, il faut que je trouve l'adversaire idéal pour lui caler le petit pont. Vas-y, allez, on va essayer. Oui, il est passé! Et en plus, on marque, les gars! Putain, je veux voir le ralenti, voir s'il est vraiment, vraiment passé le petit pont. Donc faire les petits ponts, c'est L1, R1, et avec le joystick de droite, la direction... Ah, elle est pas passée, je suis dégoûté. En fait, il s'est esquivé, le gars. Tiens. Ah, j'ai le seum. Bon, les sombreros, maintenant, ils sont faciles à caler, alors que dans le 20, c'était quasiment impossible. Là, les sombreros, ils passent trop facilement. Les petits ponts, bah, déjà, ils ont rajouté ça, c'est cool. Parce qu'avant, je crois pas on pouvait faire de petits ponts. Pour un jeu de street, c'est un peu débile, en fait. On ne puisse pas faire de petits ponts. Bon, à part en ayant de la chance. Mais là, c'est clairement... Pas en ayant de la chance qu'on met le petit pont. C'est vraiment parce qu'on le décide. Vas-y, viens. Bon, vas-y, frère. On va tirer de loin. Il n'y a personne qui vient au pressing. Allez. Ah non. Attention à la contre-attaque. Viens défendre, viens défendre. Oui, bien. Oh, il y avait Ah, j'ai pas vu qu'il y en avait encore un derrière. C'est bien, Easy. C'est bien, tu as marqué. Tout à l'heure, on s'amuse avec toi, c'est tout, mais c'est pas grave. Ouh, l'attentat. Oh, je m'attendais pas du tout à ce que ça passe. J'ai été complètement surpris. Mais bon, on arrive à finir l'action au bout de 3 frappes. Non, là, je vais essayer vraiment, vu qu'on est quand même calme dans le match, je vais vraiment essayer de le mettre le petit pont. Aïe. Oh là là, je fais une passe D à Easy, même pas il est capable de marquer lui. Oh là là. Il y a moyen de faire petit pont sur le gardien. Ah, j'ai essayé, les gars. Oh
Magnifique arrêt réflexe du gardien. Enfin, la gardienne, du coup. Bien. Ça sort pas. Let's go. Allez, petit pont, petit pont, petit pont, petit pont. Pas de petit pont. Mais en fait, c'est débile parce que tant qu'il vient pas m'attaquer, je peux pas le mettre le petit pont. Tant qu'il vient pas, tu vois, mais la pression qu'il est en train de reculer, le petit pont sera impossible à passer. Je vais encore essayer, mais. Allez. Oh, le coup du foulard, dommage. Bah, il est mal tiré ce corner, qu'est-ce qu'il fait mon joueur? Et même le coup du foulard, j'arrive pas à le mettre. Et désolé pour cette fin de match. Franchement pas ouf. Mais je voulais essayer des petites expériences, je sais pas. J'avais envie de mettre le petit pont. Je pensais qu'on l'avait réussi à un moment. Mais pas du tout. Bon ben voilà, on passe en finale les poteaux. On a battu easyment 7 à 2. Donc là je vais voir l'action de la partie parce que ça a été une catastrophe cette game. C'est le sombrero reprise. Pas mal. Hey, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Vous avez réussi. Ouais, on voulait pas te laisser toute la gloire. Je vous l'avais dit que ça pouvait vous arriver à vous aussi. Ça fait plaisir de vous voir. Ouais, pareil. Mais ça va être trop bizarre de jouer contre toi. Tu t'amuses bien? Je m'éclate. Je suis vraiment content pour toi. Bon, ça va être à nous. Si vous nous battez... Quand? On vous battra. Vous êtes prêts? Toujours prêts. Ouais. Allez, c'est parti, on va affronter Kotaro, notre ancien coéquipier. À mon avis, lui, son entraîneur, c'est Kaka, parce que vous vous rappelez, au début, Kaka était venu le chercher. Au début, je pensais qu'ils allaient jouer ensemble, et finalement, non. Ça va être tout simplement son entraîneur. Vraiment dommage que les icônes ne jouent pas. Allez, c'est parti. Lui, on va lui montrer que ça lui apprendra à nous lâcher, à lui. Qu'il aurait mieux fait de rester avec nous. Après, tant mieux qu'il soit parti, hein. Parce que du coup, mon équipe, elle est beaucoup plus forte que lui. Il est tout seul en haut. Et but. Non. Non. Oui. Ah, ça va, c'est mon joueur en plus qui l'a mis. Je pensais que c'était Uma qui l'avait poussé au fond des filets. Mais non, le ballon est rentré avant que Uma la touche. La frappe poteau. La frappe. Et là, c'est le gardien qui l'a mis sur le poteau. Et là, elle rentre juste avant que Uma la touche. Attention à cette équipe qui peut quand même faire la surprise. Quatrième tour, quatrième équipe. Normal la dernière. Allez, bien arrêté. Allez. Ouh, la retournée de Yaya. Yaya, il était déjà dans FIFA 20. Il y a déjà quelqu'un qui l'avait fait, ce personnage. Donc je sais pas si les joueurs, ils sont créés par la communauté et après on se mélange et ça crée beaucoup d'équipes. Vu qu'on recrute et tout ça. Ou est-ce que c'est des joueurs créés par le jeu lui-même? Donc ça, c'est vraiment une question que je me pose. Mais non, frère, y a pas faute. Donc c'est vraiment une question que je me pose. À mon avis, au début, il doit y avoir des joueurs créés par le jeu. Parce qu'il faut bien sûr des équipes pour commencer. Donc voilà, des joueurs 60. Enfin, 70. Peut-être, ouais, 75 max. Et je me dis qu'après, tous les joueurs qu'on rencontre, c'est vraiment des joueurs de la communauté. Et après, en recrutant, ça échange les équipes. Et du coup, c'est pour ça qu'on retrouve souvent les mêmes joueurs. Eh, beau gosse. Donc après, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que
tous les joueurs, toutes les équipes qu'on rencontre dans Volta, c'est la communauté qui les a créés, ou est-ce que c'est créé par le jeu? C'est vraiment une question que je me posais déjà dans FIFA 20. Donc pour moi, c'est clairement des joueurs créés par la communauté. Et après, voilà, avec, vous savez, le recrutement et tout, à chaque fin de match, ça se mélange, ça crée de nouvelles équipes, ça crée des nouveaux joueurs. Enfin bref, voilà. Eh, mon joueur, il fait pas le coup du foulard, hein. Bon, Kotaro, je suis désolé, mon petit. Mais on va te rincer, hein. Ton équipe, elle parle chinois face à nous. Est-ce que vous avez compris la vanne ou... Parce qu'il a quand même un air d'asiatique, Kotaro, on est d'accord. Donc voilà, son équipe parle chinois, enfin bref. Voilà, voilà. Aïe. Oh là là, il parle chinois même devant la cage, lui. Il était tout seul, il tire à côté. C'est même... Mon gardien a rien eu à faire. Hop. Oh, j'avais pas capté que le ballon était revenu dans le même pied. Putain, là, je repars en cacahuète, là. Là, je refais n'importe quoi. Oh, dommage! C'était charmé. Allez. Non, le centre, il est éclaté, frère. Ah, ça m'a changé de joueur. Oh, bien joué. En tout cas, notre gardienne, là, elle fait le taf. Même si, pour le coup, il bégaye beaucoup devant la cage. Mais il vient même pas me presser. Je voulais lui mettre un sombrero, il est même pas venu. Et voilà, 5 à 0, juste avant la mi-temps, comme tout à l'heure. Cette fois-ci, on va essayer de leur mettre un petit fanny, on va essayer de ne pas prendre de but. On va essayer de rester concentré tout le match, pas partir en couille après. Surtout que là, c'est la finale, faut régaler le public de Dubaï. Faut régaler les riches. Mais avec nous, ils vont en avoir pour leur argent, moi je te le dis. En fait, moi je voulais caler un sombrero sur ma pote, quoi. En fait, c'est énervant là, ils mettent zéro pressing, du coup, je peux passer aucun dribble. Bien joué. En plus, quand je joue en clash d'équipe Volta, je vous garantis qu'en pro, c'est beaucoup plus dur que là, là. Là, ils sont vraiment rincés, l'IA, il est rincé, je trouve. Et voilà, 6-0. Madame Claquette. En vrai, je devrais faire claquette chaussettes. Tu sais, les chaussettes bien hautes, là. Ça ferait un sale style. Mais en vrai, je voulais lui donner un style un peu plage à elle. Zbé! Eh non. Non, pourquoi il est parti? Elle fait pas d'appel contre appel, frère. Il fait un appel et après... Ok. Et après, il part en défense. Mais il y a zéro pressing. Et là, ça m'énerve vraiment parce que du coup, je peux rien faire. Enfin, du coup, je peux marquer, mais je veux dire, je peux pas faire le spectacle s'ils viennent pas sur moi. Moi, je veux mettre des sombreros, je vais essayer des petits pots encore. Je veux faire quelque chose de stylé. Pas que des tout droits, frappe et but. Allez, la passe au gardien, on va garder. Voilà. Eh ouais, Madame Claquette, toujours là. J'ai bien anticipé la passe. N'empêche que son coéquipier du bas, lui qui était bon, du coup du côté droit du terrain, il était tout seul. Je sais pas pourquoi il a remis à.
Akutaru, je sais plus comment il s'appelle déjà. Oh! Je suis vraiment triste qu'on n'ait pas le... Je sais pas, au moins Sid ou... comment il s'appelait l'autre déjà? Comment il s'appelait l'autre, le principal de Volta FIFA 20? FIFA 20. C'est pas Jesinho ou je sais pas quoi là? C'est dommage qu'il soit pas de retour lui. Il y a tous les autres, Van Gaal, Easy, mais on n'a pas Jesinho. Vraiment triste. Et j'aurais aimé aussi le que Sid soit là, la gardienne. Parce que franchement, elle était sympa. Corner ? Non. Ouais, t'es libre. Tout le monde est libre. Oh non ! Elle a raté. De toute façon, tout le monde est libre. Je comprends pas. Là, j'ai l'impression de jouer contre des plots, la vérité. Bah ben voilà les gars, je sais pas si c'était la finale, mais en tout cas ça apparaissait comme le dernier match. Normalement on a gagné le tournoi de Dubaï, et voilà c'est fait, on a gagné le tournoi de Dubaï, j'avais raison. Eh ben Thierry Henry va être content. Et du coup l'action de la partie c'est... Ouais, éclaté. Allez là ! C'est énorme ! Hey, bravo, très beau match. Tu regrettes d'être parti ? Va savoir. Bien joué ! Bravo à tous. C'était fantastique. Tout ça, c'est grâce à vous, Béa. Oh. Où est le patron ? Oh, il va venir. Quand il sera prêt. Prêt, pourquoi ? Streets and Icons. C'est bien pour ça que nous sommes tous là. Bon. Prêt pour un autre match ? Eh. Dernier match. Et c'est contre tous les capitaines. Streets and Icons. Nous contre vous. Ouais, on est prêts. Allez, c'est grave stylé. Tous les capitaines, c'est-à-dire moi, Ed Van Gaal, Kotaro, Lisa et Easy, j'allais l'oublier. VS toutes les icônes, Schmeichel, Kaka, Zidane, Lampard et Thierry Henry. Pour un dernier 5v5, c'est énorme et c'est parti. Allez, est-ce que vous êtes prêts pour le tout dernier match de ce Volta FIFA 21? Un match qui risque d'être énorme. Les icônes VS les capitaines, c'est maintenant. What? Mais comment ça, c'est pas les capitaines? Non, je m'en équipe à moi. Ouais, mais normalement, c'était pas ça. Non, je suis déçu. Bon, allez, c'est pas grave. Allez, Zidane qui s'est pas tapé de jongle. Super. Ouais, je vais rester concentré. Même si là, je suis vraiment dégoûté de... Le contexte était bon, hein. Les capitaines vs les icônes. Et finalement, ça a tout bugué. Oh là là! Oh Yaya! Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il a fait Yaya! Un phénomène. C'est sur qui? Sur Thierry Henry en plus, notre entraîneur. Oh là là, la misère. Ah normalement là on a l'action de la partie, hein. C'était magnifique. Allez. Ah, j'allais dire, toute mon équipe va le faire, en fait. Dommage. Attention à la contre-attaque.
Ouf, ça passe pas loin. Non, dommage. Ah, je voulais mettre un petit point à une icône, je suis dégoûté. Déjà là, ils pressent un peu plus, j'ai l'impression. Il y a plus moyen de leur passer des dribbles. Les passes, ça va beaucoup plus vite aussi. Après, c'est pas le même niveau. Hein. Tout à l'heure, on affrontait des joueurs qui dépassaient pas les 80 générales. Là, à mon avis, ils ont tous plus de 80. Bon, après, dans mon équipe, on a presque tous plus de 90, à part mon gardien et moi. Est-ce que je lui mets un petit point à ce Michael là sur la frappe? Voyons tout ça au ralenti. Et oui, petit point à ce Michael. Et bien sûr. Aïe. Oh, rattrapé par Zidane. N'empêche que Zidane, c'est une sale icône, hein, on est d'accord. Mais vous trouvez pas qu'il est mal modélisé, sa mère? Je le trouve trop mal fait, moi, Zidane. Ils auraient pu le respecter un peu. Bum. Allez. Ah, désolé, j'ai tapé le micro. Ouais, en vrai, là, ça joue bien. Hein. Ça joue rapide. Ils perdent pas trop le ballon. Moi, par contre, offensivement, je fais de la merde. J'ai pas trop envie de les humilier. Hein. Faut quand même les respecter, c'est des icônes. Bon, après, j'ai quand même tenté un petit pont et je lui ai mis un sombrero. Hein, mais. Oh, Thierry Henry, qu'est-ce qu'il fait? Non! Je l'ai pas accroché dans mon sombrero. Bien. Non, pas toi! Là, il a fait la passe en bas. Bien joué. Allez, vas-y! Juste avant la mi-temps, il restait une seconde, les gars. On sort un sale ciseau sur la tête. Je crois que c'était Zidane. Avec Zidane et Thierry Henry, là, les deux chauves. C'est compliqué de les reconnaître. Mais là, c'était sur la tête de Zidane. Le ciseau. Bon, bon, bon. Et ça fait 3-0 juste avant la mi-temps. Voilà, voilà. Eh, les icônes, ils ont plus l'âge pour ces conneries. Et du coup, là, je viens de voir mon équipe, elle a... Ah, le petit pont qui passe pas sur Kaka. Elle a 88 de général, alors que eux, je crois, elle a 82... Oh merde, c'est eux qui ont la touche. Du coup, les équipes qu'on avait affrontées, là, dans les tours de tous les capitaines... Ils avaient 79 de général, les gars. Moi, je suis à 88. Après, j'ai un collectif, il est assez moyen. C'est dur d'avoir un bon collectif dans ce jeu. Non, en voltage, je veux dire. Quand je dis ce jeu, je pense que vous avez compris. Il y a corner. Allez, pas de choulette, là. La claquette. Bien joué. Bon, facile, but. Désolé. J'ai sous-estimé Smichel. En même temps, le jeu nous habitue mal, frère. On tombe que contre des passoires, d'habitude. Non, là, pas. Sérieux, Ouma? Tu n'avais pas le droit. Ils se font pas prendre. Ils viennent pas au pressing, ils se font jamais prendre du coup. Ah là là, faut que j'arrête de tenter les cochonneries là. Oh Zizou, mais Zizou! Qu'est-ce que tu as fait, Zizou?
Allez. Ce serait bien de terminer en beauté sans prendre de but. Ouh. Ouais, je me disais qu'il y avait faute. Mais l'arbitre, il a quand même eu du temps à réagir. Ciseau de Ouma et 4-0. Bon, ce serait bien d'arriver à 5-0 face aux icônes. Mais on voit que déjà là, je sais pas, je trouve qu'ils jouent beaucoup mieux que les autres équipes. Ils construisent mieux, ils perdent moins facilement le ballon. On a plus de difficultés à passer aussi. Oh là là, quelle parade! Bien. Mais Kaka, tu voulais faire quoi là? Oh là là, la retournée de Zizou. Mais n'empêche, ils jouent bien. Hein. Ils ont juste pas de réussite. La frappe pointée. Et l'arrêt de Smichel. Oh, j'ai rusté au fond. Non, mais qu'est-ce qu'il a fait? Allez, Yaya, il lâche rien. Ouais, bien petit. Allez, cette fois-ci, tu le mets, petit. Allez. Voilà. Bon, il a pas fait le... la roulette tir. Alors que je lui ai demandé. Mais c'est pas grave, c'est... ça fait 5-0. Il veut plus la faire, la roulette tir. Il est dégoûté, mon joueur. Oui. C'est bon, on a battu les icônes, les gars. Allez, action de la partie. Bien sûr, Yaya, je crois que c'est le sombrero du genre le premier but du match. Et c'est ça, le sale sombrero sur Titi. Ah, elle était violente. Ouais les gars, c'est une blague. Avec toutes les icônes qu'il y avait en face, ils m'ont offert juste celle que je voulais pas, Smichel. Ça fait un mois qu'il est fini la compétition, il transpire encore lui. Mais en même temps, il est en survêt à Dubaï, donc je pense que c'est normal. Ça va, c'était cool, un peu court, mais cool. Et par contre, ça fait déjà deux fois qu'on finit Volta. Dubaï, ça a été comme une bouffée d'air frais quand on voit tous ces gens réunis par l'amour du football. Je tenais à te remercier encore pour avoir offert un tel spectacle. Tu sais, ce n'est que le début pour toi et ton équipe. D'ailleurs, tout l'univers Volta te tend les bras. Tu peux faire tout ce que tu veux maintenant. Voyager, voir le monde. Essayez d'aller encore plus haut. Continue de te faire connaître. On te regardera tous.
Donc voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça fait deux fois qu'on termine le mode Volta, FIFA 20, FIFA 21. Et à chaque fois, ils terminent par dire c'est que le début. Déjà, dans FIFA 20 Volta, à la fin, il y a Béa qui venait nous voir. Elle voulait nous faire passer pro. Et moi, je pensais que la suite logique de FIFA 20, c'était que dans FIFA 21, notre joueur allait devenir joueur professionnel et qu'on allait faire un style de mode aventure comme Alex Hunter, mais avec notre personnage à nous, un peu comme dans NBA 2K en fait. Et c'est vraiment ce que j'attends pour un prochain FIFA, que notre joueur Volta devienne un joueur professionnel de football et qu'on fasse un mode comme NBA 2K tout simplement. Que du coup le mode ma carrière, mon joueur, serait plus animé qu'alors que là il se passe vraiment rien. Bon enfin bref voilà, j'ai fini de vous dire mon hypothèse pour les futurs FIFA. Du coup on a fini Volta FIFA 21, ça a été court, 3 épisodes. En tout on a fait combien de matchs les gars? On a fait 4, 5, 6, 12 matchs. 12 matchs en tout et on a fini le mode Volta. C'était vraiment très rapide, je suis un peu déçu. Niveau cinématique, c'était pas trop riche. On savait à quoi on allait aller. Bon, on pouvait anticiper ce qui allait se passer tout simplement. Donc voilà, pas de grosses claques, pas de surprises. Juste des matchs, un Volta, des cinématiques qu'on attendait en avance, enfin voilà. Bon du coup les amis, ça va être tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez kiffé ce dernier épisode sur Volta FIFA 21, et si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, faites-moi péter le bouton des likes, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, partagez un max pour aider à me faire connaître, et surtout, merci à tous, et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos.